Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un tuto numéro 2. Celui-ci sera sur les pots à bougies 3 mèches. Vous savez, nos pots à bougies 3 mèches, ces parties-là, ce sont nos produits phares. On en vend plus de 410 000 par an, c'est plus de 1000 pots par jour, enfin c'est juste hallucinant. Il faut savoir que nos pots donc, se présentent comme ceci. Donc là, je vous ai ramené vanille coco, fraîcheur fruitée et figue diabolique, qui sont quand même nos produits phares, hein, c'est pour ceux qui connaissent. Donc vous allez retrouver un couvercle en aluminium, un verre en 100% recyclé, avec bien sûr un décor qui est propre à chacune des fragrances que nous proposons. Donc la figue diabolique, hein, qui est notre best-seller, où on en vend 2 millions par an d'unités, que ce soit en bâtonnet, en galet, en réchaud, en lampion, en pot à bougie 3 mèches, c'est notre produit avec Safari Boisée où on en vend vraiment le plus. Enfin, on est très fiers chez nous de ce produit-là. Et donc nous avons de la cire de très haute qualité chez Party Life. Comme d'habitude, vous savez très bien que notre engagement vie pure, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur chez Party Life, sur lequel on mise beaucoup. Mèche 100% coton, sans sulfate, sans phtalate, sans parabène. Voilà, c'est vraiment quelque chose que vous allez retrouver quasiment nulle part ailleurs. Enfin, même nulle part ailleurs d'ailleurs, il n'y a pas de quasiment. Voilà, on est vraiment number one, nous sommes leader mondial et c'est quelque chose que voilà, je voulais vraiment vous mettre aussi en avant. Nos pots 3 mèches, donc c'est une combustion qui va se faire via des 3 mèches 100% coton. Vous allez avoir une combustion totalement optimale puisque lorsque vous allez allumer votre bougie, et ça c'est sur ça je veux vraiment en venir parce que c'est vraiment une chose très importante, vous laissez toujours toute la cire du dessus fondre parce que c'est vraiment ça qui va faire que votre bougie ne va pas couler que d'un côté ou ce genre de choses, ou surtout qu'elle va se creuser. Donc lorsque votre bougie est allumée, qui dure en moyenne entre 35 et 45 heures, ça va vraiment parfumer un espace, mais c'est très très grand, hein. Pour certains ça monte jusqu'aux étages, ça va dans les couloirs. Moi je dis c'est vraiment une bougie pour parfumer vraiment un grand espace, comme des petits espaces. Moi j'en ai une dans ma chambre, j'en ai une dans mon salon. Voilà, c'est vraiment des bougies que moi personnellement j'adore, vraiment c'est des choses que j'adore. Sinon je ferais pas ce métier, hein, vous me connaissez. Mais voilà, c'est vraiment notre bougie phare et je voulais vraiment mettre l'accent dessus aujourd'hui dans ce tuto. Donc avec ces pots à bougies, vous allez avoir une chose très importante, je vous en ai ramené deux best-sellers, Safari Boisé, Figue Diabolique. Mais il y a deux choses importantes à savoir. Lorsque vous allez allumer votre pot à bougies 3 mèches, vous allez retrouver à l'intérieur un surplus. Ce surplus, je vais vous le rapprocher, ce surplus qu'on appelle le surplus cramé, hein, graisseux, tout simplement, il ne faut surtout pas allumer votre bougie quand vos mèches sont comme celle-ci. Donc, vous prenez un petit bout de sopalin, tout simplement, et vous allez venir attraper, donc comme ici, votre mèche, et vous allez tout simplement tirer dessus, mais très très légèrement, ce qui fait que vous allez enlever ce surplus graisseux. Regardez, vous voyez tout de suite ce que vous enlevez. Et à la différence, quand vous allez allumer votre pot à bougie 3 mèches, hop, vous voyez tout de suite que vos flammes, elles sont super belles, ça ne craque pas. Je sais pas, enfin, vous n'allez pas l'entendre, mais si je vais allumer un pot à bougie 3 mèches comme celle-ci, regardez bien. Vous avez entendu? Ça craque tout de suite. Pourquoi? Parce que, en fait, le surplus graisseux, quand vous allez le rallumer, ce qu'on appelle la fleur, va éclater. Et quand elle va éclater, quand elle est trop brûlée, elle va vous mettre plein de cire noire, en fait, elle va se mettre carrément dans votre cire, et votre cire qui normalement doit être blanche, complètement uniforme, ne sera plus pareille. Elle sera totalement sale, en fait, et c'est pas du tout comme ça. Une bougie 3 mèches, vraiment comme toutes nos bougies, ça s'entretient. Quand vous achetez une voiture, vous laissez allumer, par exemple, quand c'est l'hiver, pour une diesel, vous la bichonnez, vous faites les révisions, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Vous avez un couvercle. Ce couvercle vous permet d'étouffer votre bougie. On ne souffle jamais sur une bougie lorsque l'on... Vous voyez, là, je ne sais pas si vous l'avez vu sur vidéo, mais on a de la fumée noire qui sort parce que les mèches sont complètement en fleurs et qu'elles sont cramées. Donc, il faut vraiment tirer. Et de toute façon, vous allez voir la cavité, hein, les mèches sont beaucoup plus stables ici que ici, puisque forcément ça va s'agiter beaucoup plus, puisque les mèches sont beaucoup moins stables. Quand vous avez un couvercle, je vous recommande toujours d'étouffer votre bougie pour l'éteindre. Ça ne craint rien, c'est fait exprès, mais c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez souffler sur votre bougie, votre mèche qui est dans la piscine, qui est toute liquide, qui s'est liquéfiée forcément,
quand vous allez souffler dessus, votre mèche va se décaler. Et au bout d'un moment, votre mèche peut se mettre sur le côté, faire fondre le plastique dû à la chaleur ou casser votre verre. Donc, il est vraiment important que vous étouffez votre bougie et ça s'arrête là. Et quand vous rallumez votre bougie, vous prenez un petit bout de sopalin, hop, et vous tirez sur le surplus graisseux de la fleur, vous enlevez ce petit noir. Ne tirez pas fort, vous allez voir, ça part tout seul. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Donc voilà, ça c'est vraiment nos pots 3 mèches, nos pots phares. Il y a toujours une promotion. Pour un pot acheté, vous avez le deuxième à seulement 15€. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez profiter de cette offre ou rendez-vous sur ma e-boutique williamjoly.partylike.fr. Vous allez voir, il y a vraiment plein de choses. N'hésitez pas à faire un tour par exemple dans Outlet. Vous allez voir des pots jusqu'à moins 60%. Et je voulais une dernière chose, vos pots 3 mèches sont totalement recyclables. Donc je vais vous mettre quelques photos. Donc voilà, c'est vraiment nos pots phares. C'est aussi un cadeau idéal que vous pouvez offrir à quelqu'un. C'est vraiment un cadeau qui est sûr, c'est une valeur sûre. Vous allez avoir énormément de fragrances, donc n'hésitez pas à faire un tour. De toute façon, je reste bien sûr, comme d'habitude, toujours disponible si vous avez la moindre question. Et sur ce, je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour un prochain tuto. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez avoir. Salut !